chargé de la planification des grands projets et des grandes activités que le massif doit pouvoir exécuter. Nous avons reçu également les activités de notre plan de pollution. Lors de notre réunion, nous avons vu les cinq plans de pollution. Et au chapitre de la pollution et de la transformation, nous avons arrêté un certain nombre d'activités. La première activité, il s'agit de la gestion des zones de domination. Deuxième activité, le leadership. Et la troisième activité, est la gestion des conflits. Et qu'ils soient articulés tout comme le projet assorti également des différents TDR. Et comme localité choisie, nous avons produit 5 localités dans tout le groupe du massif. Et la première localité, Sukwake, la deuxième localité, Chiyansuko, la troisième localité, Sassoure, la quatrième localité, Sassoure, et la cinquième, Sassoure. Et donc, ces centres de formation doivent pouvoir regrouper 250 personnes à raison de 50 personnes par rapport à la région. Et je continue avec la deuxième position, qui est la position à regrouper et élevage. Au niveau de cette position, nous avons eu la formation en élevage de volailles et de bovins. Et tout à l'heure, le secrétaire venait de dire, il faudrait que, au niveau de l'UMACI, il y ait également des activités d'épanouissement, des activités qui puissent générer des ressources. Voilà. Et entre autres, nous avons cette activité-là. Donc, l'élevage des bovins, pour que cela serait sous forme de projet, nous allons demander de projet en point de vue fond. Aussi bien les volailles que pour les volailles. Et ensuite, ce projet, nous avons pris comme date de mettre à disposition de ce projet, ce sera bien réalisé, ce sera déposé en fin août. Et si notre investiture a lieu le 20, et je pense que après l'investiture, nous verrons à l'issue de sa tête tous ces projets que nous avons au président pour tout projet à qui de voir. Pourquoi nous avons vraiment de l'environnement humaine pour voir un peu dans une manière. Et donc, lieu du Nord, nous avons choisi la localité de Kampasso, de Paté et de Mouni. L'activité maraîchère, c'est que vous avez généralement des jardins avec nos grands-parents à tout différentes activités. Et qu'est-ce que nous, en tant que structure bien organisée, pour pouvoir les aider? Et nous avons décidé de monter des projets en bonne du fort, n'est-ce pas, au niveau des maraîchers tout même à la disposition du président qui les mettra en mission dans ce sens-là. Donc, entre autres, les maraîchers, il y a deux divisions de grands talents. Il y a les tomates, par exemple, il y a les aubergines, il y en a de deux qualités. Il y a certains qu'on appelle les angelettes, et il y a d'autres qui sont les aubergines, qu'on appelle les aubergines parées, etc. Il y a la pompon, il y a pas mal de produits maraîchers. Mais nous avons sélectionné un certain nombre, nous avons fait au moins trois, et pour monter les différents projets, pour pouvoir se mettre au moins trois. Et pour les nous sommes à notre première phase. Et plus nous vont, nous allons faire des projets également, des projets pilotes. Et à ce que nous avons donné comme date limite de mission de ces projets, fait pour également pour les gens, et les deux choisis, les trois villes choisies, à cela, dans ce groupe et sans pilotes.